Cyclic, c'est une société dans laquelle on fabrique des vélos fabriqués en matière végétale. Le concept, c'est d'utiliser du bambou pour les tubes, du lin pour faire la liaison entre les tubes. C'est des vélos qu'on fait sur mesure dans notre atelier pour des clients qu'on appelle cyclosportifs qui recherchent vraiment un vélo parfaitement adapté à leur pratique et à leur budget. Et là, on vient de sortir, il y a quelques mois, un nouveau vélo qui est un vélo toujours en bambou et en lin, mais cette fois électrique, fabriqué de façon industrielle et qui s'appelle Relief. Alors, première question, ouais. En plus il y a l'exemple juste à côté, comment est-ce que tu recrutes pour Cyclic ? Le recrutement, en fait, nous on va le faire par les moyens un peu classiques, c'est-à-dire on va aller chercher sur LinkedIn, on va poser des annonces. D'accord. Ensuite, bon, on va faire tout un travail de tri de candidatures, on va vraiment privilégier ceux qui sont déjà dans le vélo, la mobilité. Et après ça, j'aime bien privilégier tout ce qui est candidature spontanée. Que pour moi, il y a une vraie démarche proactive où les gens viennent vraiment directement nous voir, c'est-à-dire qu'ils ont déjà adhéré aux valeurs, qu'ils connaissent le projet et qu'ils aiment bien l'entreprise, donc du coup, c'est ça que je privilégie. Là, tu as une équipe de quoi ? Vous êtes 4 ? Là, on est 4, ouais. Vous êtes 4. Comment est-ce que tu t'assures qu'il y a une bonne cohésion d'équipe, que le groupe fonctionne ? Moi, quand j'ai créé Cyclic, je voulais avoir du sens dans ce que je faisais. Et ce que je veux, c'est aussi que les gens qui travaillent chez Cyclic trouvent du sens dans ce qu'ils font au quotidien et surtout que tout le monde s'entende bien, ça c'est vraiment important. Donc pour la cohésion d'équipe en général, on fait pas mal de sorties ensemble. Typiquement, on est dans le vélo, donc on fait pas mal de sorties de vélo, des sorties qu'on va faire le midi ou même des salons qu'on va faire ensemble qui permettent de vraiment bien lier l'équipe. Puis après ça, je pense que pour tout le monde s'entende bien dans l'équipe, il faut que chacun soit bien dans son poste et je vais essayer vraiment de faire en sorte que chacun fasse quelque chose qu'il aime, que chacun se sente bien dans son poste parce qu'il aime bien ce qu'il fait. D'accord, ouais, donc le volet informel de sortie de groupe et puis, le contenu vraiment du travail, quoi, ouais, complètement. Individuellement. Alors nous, chez KLATR, on a tendance à dire qu'un bon leader est un leader qui se connaît bien. Qu'est-ce que tu fais pour apprendre à te connaître ? J'ai fait du vélo pendant 10 ans en tant que sportif de haut niveau. J'ai toujours dit que je trouvais que c'était une très très bonne école de la vie. Ça permettait de bien se connaître, d'aller au fond de soi pour savoir un petit peu connaître ses limites, savoir comment trouver les bons temps de repos, les bons temps de rush et savoir comment bien les arbitrer. Aujourd'hui, je prends vraiment l'entrepreneuriat et la gestion d'entreprise comme un sportif de haut niveau, comme une compétition vraiment avec beaucoup d'étapes. Et je pense que c'est ça qui a permis de vraiment bien me connaître. Après, dans l'entrepreneuriat, c'est un peu le même rythme en fait qu'un sportif de niveau. Il faut des temps de pause, il faut des temps de rush. Et ça permet aussi de bien se connaître. Je pense que c'est un petit peu un mix des deux qui permet que, au bout d'un moment, j'arrive à bien me connaître. Je pense que je pourrais répondre à cette question dans quelques dizaines d'années. Je pourrais mieux y répondre. Bah oui, voire plus. Merci. Dommage, je t'en prie.